Moussa est un petit garçon de 9 ans. Il a beaucoup d'imagination et il fait beaucoup de bêtises. Il vit dans le village de Kalamboa, au sud de l'Afrique. Il habite dans une cage en torchis, près du puits, juste en face de chez le sorcier. Sa mère, Aminata, est enceinte de 5 mois. Son père, Bemba, est propriétaire d'un petit champ de maïs. Vivent aussi avec eux les jumeaux, un frère et une sœur de 4 ans. Insupportable. Un matin, Moussa devait puiser de l'eau au puits puisqu'il était le seul capable de le faire à la maison. Moussa n'aimait pas cette tâche, il préférait de loin jouer avec ses copains. C'est ce qu'il fit donc. Lorsque Moussa rentra chez lui, sa mère, ne voyant pas d'eau, décida de le punir. Il devra donc proposer son aide aux sorciers tous les jours pendant un an après avoir effectué les tâches pour la maison. Le soir, le père de Moussa rentra et dit: ce soir, nous ferons la fête car nous avons découvert un nouvel arbre rempli de fruits succulents. Toi, Moussa, je suis déçu de ton comportement. Pour te punir, tu ne participeras donc pas à la fête. Le soir, on fit la fête jusque très tard dans la nuit, tout en mangeant ce nouveau fruit délicieux. Le lendemain, vers 3h du matin, Moussa alla voir le sorcier pour l'aider car cela était sa punition. En entrant dans la case, quel spectacle effrayant vit-il! Le sorcier était affalé sur sa paillasse. Il avait du mal à bouger et à parler. Le fruit, toxique. Le remède se cache par-delà la savane et par-delà la grande forêt sur la montagne sacrée. Un arbre avec un fruit magique. Va le chercher. Tu sauveras le village. Et ce fut ses dernières paroles, comme pour de nombreuses personnes dans le village. Après ces événements tragiques, Moussa, inquiet, retourna voir ses parents pour prendre de leurs nouvelles et les prévenir de son départ vers la montagne sacrée. Les parents n'allaient pas bien, ils n'avaient plus de force, ils voyaient donc en Moussa leur seul espoir de guérir leur village. Moussa prépara son sac et partit, le cœur lourd et inquiet, mais plein de fierté vers ce périple qui l'attendait. Sabali habite en Afrique, dans un petit village. Elle a 10 ans et elle est un peu timide mais très respectueuse de ses parents. Elle n'a qu'un frère qui a 5 ans. Elle aime se balader pieds nus dans son village. Un grand baobab fait de l'ombre sur la place du village et une petite rivière avec très peu d'eau coule tout près des cases. Un matin, Dabali alla se balader dans une forêt proche. En traversant le village, elle rencontra son frère qui décida de l'accompagner. Après quelques minutes dans la forêt, le petit frère se piqua le doigt sur une fleur et commença à gonfler rapidement. Follement inquiète, elle revint sur ses pas en courant pour raconter cette mauvaise aventure à sa mère. Le petit frère était allongé sur le lit depuis quelques minutes, lorsque la mère décida d'appeler le sorcier pour guérir son fils. Votre fils est gravement malade. La fleur qu'il a piquée est très venimeuse. Le seul remède est un fruit magique que l'on trouve sur la montagne sacrée qui se trouve par-delà le désert et par-delà le grand fleuve. Après discussion avec ses parents, la fillette remplit son sac de nourriture, d'eau et de quelques vêtements. Elle s'engouffra dans le désert avec une grande angoisse, mais fière que ce soit elle que l'on ait désignée pour accomplir cette mission importante. Après quelques kilomètres, Moussa arriva dans une savane infestée de lions. Que fais-tu ici? C'est un endroit dangereux pour un enfant. Tu ne vois pas toutes ces bêtes sauvages prêtes à te dévorer? Qui êtes-vous? Je suis Yakuba et je garde les bêtes de mon village. Moi, je suis Moussa et je dois aller chercher un fruit magique par-delà cette savane pour guérir les gens de mon village. Sais-tu comment on peut la traverser? Peut-être que Kiboué, mon ami le lion, pourrait t'aider. Tu n'auras qu'à monter sur son dos et il t'emmènera où tu le souhaites. Tu es ami avec un lion? C'est une longue histoire que je vais te raconter. C'était un jour de fête dans le village. Les adultes s'étaient rassemblés pour choisir les enfants qui allaient devenir des guerriers. Ce jour-là, j'ai été sélectionnée, mais je n'ai pas été capable de tuer le lion. Le pauvre animal faisait pitié. Il avait combattu un rival féroce toute la nuit et était blessé et épuisé. Il avait un regard si profond que je pouvais lire dans ses yeux. Comme tu vois, je suis blessée et épuisée. Soit tu me laisses la vie sauve et tu en ressors grandi de ce geste, mais tu risques d'être banni de son village, soit tu me tues sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères. Comme tu le vois, j'ai préféré me voir en homme à mes yeux plutôt qu'aux yeux de mes frères. Et depuis, on me confie la garde du troupeau, un peu à l'écart du village, et les lions sont devenus mes amis. Yakuba appela son ami Kiboué, le lion, et aida Moussa à monter sur son dos. Moussa était un peu angoissé et n'osait pas trop bouger ni parler.
Plus les autres lions s'approchaient, plus Moussa se sentait oppressé. Son cœur battait de plus en plus vite. La peur l'envahissait petit à petit. La peur, mais aussi un sentiment de fierté inexplicable. Il était un grand aventurier. Kiboué et son passager, entourés des autres lions, s'approchaient de la limite de la savane lorsqu'un grand troupeau de zèbres leur barra le passage. Moussa se demanda comment ils allaient traverser parmi toutes ces bêtes. C'est alors que Kiboué et ses amis poussèrent des rugissements en faire trembler la moindre brindille. Moussa sentit son cœur s'emballer au rythme des sabots des zèbres, mais fut heureux de voir qu'il était sain et sauf, et surtout que les zèbres avaient détalé. Après quelques heures de chevauchée, ils arrivèrent à la lisière d'une grande forêt. Kiboué expliqua à Moussa que la forêt n'était plus son domaine et lui souhaita un bon chemin. Moussa descendit de son étrange monture et remercia son nouvel ami avant de s'aventurer dans la forêt. Dabali arriva dans le désert. Elle commença très vite à avoir soif. Elle était perdue, désespérée. Elle se sentait seule. Elle s'allongea, épuisée, au pied d'un rocher. Tu as besoin d'aide ? Où êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis au-dessus de toi, sur le rocher. La jeune fille regarda au-dessus du rocher et vit un grand serpent, jaune et noir, avec des yeux verts émeraudes. Viens vite, suis-moi, une tempête de sable arrive. Elle eut peur et malgré son angoisse, suivit le serpent. Arrivée chez lui, elle demanda. Qui es-tu ? Je suis Zéphyr le cobra. Merci de m'avoir sauvée de cette tempête, mais pourriez-vous me rendre un service de plus ? Je dois traverser ce désert en direction de la montagne sacrée pour y cueillir un fruit qui guérira mon petit frère. Zéphyr accepta et ils se mirent alors en route. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent au petit matin à la lisière du désert. Dabali remercia Zéphyr et se mit à marcher en direction du fleuve. Moussa entra dans la forêt. Il faisait beau et les oiseaux gazouillaient. Ses pas sur les feuilles mortes donnaient un rythme à sa marche. Moussa aperçut même quelques animaux qui se promenaient tranquillement, puis il repéra un petit sentier qui se dirigeait vers le cœur de la forêt. Quelques fleurs bordaient ses côtés et tout lui paraissait joyeux. Il se dit à lui-même que cette traversée serait sûrement moins mouvementée que le voyage à travers la savane. Et plus le sentier s'enfonçait dans la forêt, plus les arbres lui paraissaient grands. La lumière du soleil avait de plus en plus de mal à traverser le feuillage. Les fleurs étaient de moins en moins présentes et les oiseaux étaient plus silencieux. La peur commençait à envahir son corps lorsqu'il entendit au loin gronder le tonnerre. Le ciel s'assombrit rapidement et Moussa sentit quelques gouttes d'eau tomber sur sa tête. Il décida alors de trouver refuge sous un arbre très feuillu. Une grenouille toute contente qu'il y ait enfin de la pluie croassait joyeusement. Au loin, on entendait ululer un hibou. La pluie redoublait de violence, c'est maintenant par paquets que l'eau éclaboussait Moussa en touchant le sol. Soudain, un éclair plus fort que les autres fit lever la tête de Moussa. Il venait de s'abattre violemment sur l'arbre juste à côté de là où il s'était réfugié. Pris de panique, il courut comme il ne l'avait jamais fait. Il courait dans tous les sens, espérant ne pas être touché par la foudre. Au bout d'un moment, l'orage se calma et le jeune garçon reprit ses esprits. Il regarda autour de lui et ne vit rien, que des arbres immenses qui lui cachaient la vue et ne laissaient pas entrer la lumière du soleil. Le sentier avait disparu. Il était perdu. Moussa prit peur, s'assit un moment pour réfléchir. Puis, il décida de grimper au sommet d'un arbre pour se repérer. Il vit au loin la montagne qui se dessinait sur l'horizon. Il remarqua aussi un chemin qui serpentait dans la forêt et qui se dirigeait vers la montagne sacrée. Il prit quelques repères pour rejoindre le chemin. Soulagé, il reprit ses affaires et quelques fruits tombés avec la pluie pour se nourrir et se remit en marche vers le chemin qui le mènerait à la montagne. En sortant du désert, et après avoir passé des épreuves difficiles, Dabali aperçut enfin un grand fleuve. Ravie et soulagée d'avoir enfin trouvé de l'eau, elle se précipita sans être consciente du danger qui l'attendait. Plus elle s'approchait de l'eau, plus le sol devenait meuble. À chaque pas, elle s'enfonçait de plus en plus, jusqu'à devenir immobile. Prise de panique, elle se mit à gigoter dans tous les sens. Mais plus elle gigotait, plus elle s'enfonçait. Et plus elle s'enfonçait, plus elle paniquait. Et plus elle paniquait, plus elle gigotait, et plus elle s'enfonçait. Arriva le moment où elle ne put plus bouger. L'eau avait atteint sa poitrine. Terrifiée, elle appela. À l'aide, à l'aide! Un petit pêcheur entendit la voix apeura de Dabali, et se dépêcha d'aller voir ce qui se passait. Il trouva Dabali emprisonnée dans les sables mouvants. Elle était terrorisée. Il jeta sa ligne en direction de Dabali, qui attrapa le fil. Elle s'y agrippa. Elle lui tira très fortement.
comme un gros poisson. En quelques minutes, Dabali réussit à sortir des ailes le vent. Elle était sauvée. Elle remercia infiniment le petit pêcheur qui la guida vers le fleuve. Là, elle se rendit compte qu'il sera difficile de traverser, tant il était large. C'est alors qu'elle vit le petit pêcheur rejoindre l'autre rive, sur le dos d'un hippopotame. Elle décida de faire la même chose. En arrivant, elle avait remarqué un troupeau d'éléphants. Elle cueillit un gros chou dans un champ et s'approcha de l'un d'eux et elle lui chuchota à l'oreille. « Viens manger ce beau chou !» L'éléphant, sentant sa nourriture préférée, ne fit pas attention lorsque Dabali monta sur son dos. Munie d'un long bâton, elle agita le chou devant l'éléphant pour le diriger. L'éléphant et sa cavalière traversèrent le fleuve sans difficulté. Arrivés sur l'autre rive, Dabali donna le chou et sa monture qu'il avala en une seconde. Elle se mit debout sur l'éléphant et vit au loin la montagne sacrée. Remplie d'espoir, elle continua à pied car elle était à court de chou. À la tombée de la nuit, Moussa arriva au pied de la montagne sacrée. Elle était haute et ses flancs étaient abrupts. Il ne serait pas facile de monter là-haut tout seul. Il aperçut alors une jeune fille aux yeux magnifiques qui s'avançait vers lui. Étonné de voir une autre enfant arriver au pied de la montagne sacrée, il attendit. « Bonsoir, je m'appelle Dabali et je viens chercher un fruit magique qui ne pousse qu'en haut de cette montagne sacrée pour guérir mon petit frère. Et toi, que fais-tu ici ?»« Je m'appelle Moussa et je viens chercher le même remède que toi pour soigner tout mon village. Cette montagne est terrifiante. Je te propose qu'on la gravisse tous les deux en s'aidant pour aller chercher ce fruit magique. Il commence à faire nuit. Attendons demain. » Le lendemain, les deux enfants se mirent à grimper sur la montagne. Après de longues heures de montée, ils arrivaient enfin au sommet. Laquelle ne fut pas leur surprise. L'arbre magique était un petit arbre tout rabougri et qui ne portait qu'un seul fruit, à moitié moisi. Moussa jeta un regard à Dabali et dit « Le fruit est pour moi, j'ai tout un village à guérir. » « Moi, je suis une fille, alors par galanterie tu dois me laisser prendre le fruit. » « Non, il est à moi, sans moi tu n'aurais pas pu monter ici. Tu attendras la prochaine saison pour avoir un fruit. » « Pas du tout, nous avons gravé cette montagne à deux, et sans moi, tu n'y serais pas arrivé non plus. » Et les deux enfants se bagarrèrent pour savoir qui pourrait ramener ce fruit magique dans son village. Dans leur bagarre, ils heurtèrent le pauvre arbre chétif, et l'unique fruit tomba lamentablement sur le sol, où il s'écrasa tellement il était mûr. Devant ce spectacle, les deux enfants arrêtèrent là leur bagarre, stupéfaits de ce qu'ils avaient fait. Le fruit ne valait plus rien, ils ne pourraient rien ramener à leur village. Toutes les personnes qu'ils devaient sauver seraient perdues. Conscients de leur bêtise et remplis de tristesse, ils se mirent à pleurer à chaudes larmes. Ils sanglotèrent pendant des heures, s'en voulant d'avoir été aussi idiots. Tellement ils pleurèrent que leurs larmes formèrent une petite rigole qui se dirigea vers le noyau du fruit. Et là, comme par magie, dès que les larmes touchèrent le noyau, celui-ci commença à gonfler, à se déformer, à craquer, et il en sortit une petite tige avec quelques feuilles. Rapidement, celle-ci poussa et monta vers le ciel, portant sur ses branches de magnifiques fleurs roses qui se transformèrent tout aussi rapidement en fruits. Les larmes des enfants avaient eu un effet magique sur le noyau. Il y avait maintenant assez de fruits pour tout le monde. Chaque enfant prit ce dont il avait besoin et retourna dans son village pour guérir rapidement tous les malades. Comme quoi, quand tout va mal, il faut toujours garder espoir et s'entraider. Et voilà, Nio, t'habitat.
dans la